Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ouvrir la boîte rouge du bunker de Ashika Island dans le mode DMZ de Warzone 2. Alors il faut savoir qu'une mission va vous demander justement d'ouvrir cette boîte rouge, et si vous terminez la mission, vous débloquerez un plan d'armes de la M13B. Alors pour ouvrir la boîte rouge, il va falloir interagir avec 9 interrupteurs dans un temps imparti. Donc là je vous laisse le gameplay avec tous les emplacements que j'ai réussi à faire en solo. Quand vous avez interagi avec les 9 interrupteurs, vous allez devant le bunker, vous sautez dans l'eau et là vous passez dans le petit tunnel. Donc faites attention parce qu'il y a des grenades, donc désamorcez-les. Ensuite quand vous êtes de l'autre côté, vous sautez les obstacles pour pouvoir arriver dans le bunker et là vous verrez qu'il y a la boîte rouge dans l'eau. Et là vous allez pouvoir l'ouvrir et récupérer le disque dur.